Ouais, donc là on a vraiment un deck d'attaque. Genre vraiment, enfin pas totalement d'attaque, mais plutôt bien équilibré. Il pourrait y avoir une ou deux cartes en plus, ça pourrait être pas mal, mais bon, malheureusement c'est pas le cas. Donc là on a du géant, donc il coûte plutôt cher par contre. Mais encore ça va, c'est bien équilibré, mais il coûte plutôt cher. Donc on a du géant qui va protéger toutes les troupes qui sont derrière, donc qui va protéger les mousquetaires, qui va protéger les gargouilles, qui va protéger à la limite l'armée de squelettes, mais ouais, pas vraiment. Donc c'est surtout pour protéger le mousquetaire, le gargouille, les gargouilles, je veux dire, et le mini P.K. Voilà, donc pour protéger les soit les troupes qui tirent de loin, soit les troupes qui font du dégât, quoi. Donc ça peut être pas mal parce que lui il est résistant et du coup voilà. Donc lui pareil, il va servir de résistance et en même temps d'attaque. Voilà, les deux un peu moitié-moitié quoi en fait. Alors lui c'est vraiment pour la défense. Imaginons l'autre il envoie un P.K. Vous envoyez ça, il est mort le mec. Le mec le P.K. en 2 secondes chrono. Voilà, donc ça coûte 1 et puis ça défend super bien sur les troupes on va dire mono kill. Voilà donc qui tue, enfin qui tape juste un par un quoi. Pas qui font des dégâts de masse, voilà, à la limite. Des dégâts de zone, voilà. Donc les flèches pour bien défendre pour les grosses troupes, on sait jamais, enfin pour les grosses troupes, pour les troupes en masse, on sait jamais hein, des fois. Voilà donc on va voir un peu ce que ça donne au niveau de la technique à prendre, tout ça, à voir un peu ce qu'on peut faire. Et puis voilà, donc c'est parti. Ok voilà, donc du coup, là ce qu'on va faire. On va attaquer. Donc j'ai attaqué tout à l'heure, mais j'ai attaqué comme une merde. Puis le mec, c'est tombé. Il fait de la merde, tout ça. Enfin, c'était super chiant. Donc déjà, on va commencer par mettre ça. Bon, c'est pas une bonne technique, mais. Ok, donc là, j'aurais des petites troupes. Ça pourrait être pas mal. Ok, il y a que maintenant qu'ils viennent, eux. Hein. Putain. Ah, quand même. On a réussi quand même à bien attaquer derrière, tu vois. Donc c'est vraiment pratique, ces machins. J'ai bien fait de faire ça. Ok, donc déjà, il nous a pas trop attaqué. Et nous, on a quand même bien. Ok. Alors là, ce qu'on va faire. On va envoyer ça parce que là il a pas l'air d'avoir de troupes de masse. Ah merde, j'aurais dû attendre un peu. Putain, dommage. Ouais, franchement, très con. Mais c'est pas grave, on va essayer de. Ouais, donc il a envoyé son géant, donc du coup on peut en profiter. Et là on envoie le P.K. Donc il devra faire des. Ouais, un peu de l'attaque de masse comme ça. Ouais, ça peut être pas mal. Ok, nickel. Voilà, donc déjà on a bien attaqué. Ouais, c'est comme ça qu'il faut attaquer. Faut vraiment essayer de le faire bien. Ok, nickel. Alors là, ce qu'on va faire. Il reste plus beaucoup. On va envoyer un peu une petite troupe de masse, j'ai envie de dire. Et puis voilà. Donc là, hop, on envoie ça. Ok, nickel. Alors déjà, voilà. C'est quoi que j'avais envoyé? Non, ça s'est fait détruire là. Ah ouais, c'est le masse de. Ouais, je sais pas combien il l'a détruit, j'ai pas regardé en fait. Voilà, mais vous voyez quand même. Comme ça, on peut bien attaquer quand même. Alors juste. Voilà, alors. J'attends un peu, voir ce qu'il fait. Ok, on va pas le mettre trop loin le géant non plus. On va attendre un peu. Alors, est-ce qu'on envoie le P.K. ou le machin? Je pense qu'on va attendre d'avoir. Ok. Ouais, on va faire ça. Ah merde, merde, merde. Vite, vite, vite. Ah merde, c'est pas le petit. Oh, c'est pas le petit. Oh, c'est dégueulasse quand même. Hein. Voilà, donc là, nous. On a quand même bien attaqué, je trouve. Ok, alors ce qu'on va faire. Alors, on va mettre la troupe de masse, c'est pas grave. On va mettre la troupe de masse, ça peut le faire. Ah, d'accord, il a les flèches. Ok. Ça, c'est fait. Alors, vous voyez, regardez. Hop, vous faites ça, là. Et boum, là, il peut rien faire. Ok. Ouais, alors là, problème. Le problème, c'est que, putain, il envoie ses machins. C'est chiant, ça. Ok. Là, on est dans la merde. Vas-y. Là, on va attaquer parce qu'on est dans la merde. Mais vraiment dans la merde. Ok, alors là. Vite, avant que le stop. Oh, yes! On a réussi à attaquer, bien comme il faut. Bah après, problème en fait, le problème c'est que on aura beau choisir n'importe quel deck, il y aura toujours quand même un temps d'adaptation. Hein. Franchement, c'est pas miraculeux, tu vois, c'est pas hop comme ça, tu vas y arriver. Et puis il y a des fois, il y a les mecs qui auront les choses pour te contrer, et puis il y a les mecs qui auront pas les choses pour te contrer, et tu vas y arriver super facilement. Donc ça dépend vraiment. Des personnes qui sont en face de toi. Et donc c'est ça que ça dépend. Donc du coup c'est assez difficile à manier quand même, enfin, en fait faut vraiment essayer de faire son deck par soi. En fait il faut tester les choses, vraiment tester, et vous verrez, vous y arriverez peut-être. Donc moi je peux pas non plus, je peux pas vous montrer une solution miracle, vous voyez le truc. Et voilà, donc je vous montre une attaque, un deck d'attaque qui peut être possible
C'est vrai que j'hésite à enlever ceux-là, par exemple, parce que bon, au final, ils m'ont pas vraiment servi. Mais le problème, c'est qu'il y a peut-être un moment où ça va me servir, tu vois. Mais contre quoi je pourrais remplacer ça? Tu vois, c'est assez compliqué après. À la limite, tu peux remplacer le géant par ça. Mais bon, le problème, c'est qu'eux, ils sont focalisés des fois sur l'ennemi, tout ça, donc c'est un peu chiant. Donc après, voilà, c'est à voir, il faut faire sa technique. De toute façon, il y aura forcément des pertes. Il y aura forcément il y a forcément un moment où vous allez gagner ou un moment où vous allez perdre. C'est pas possible d'avoir un deck qui va faire que gagner. C'est pas possible. Il y a aucun deck qui peut être comme ça. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres, mais on peut pas avoir une solution miracle. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant on va voir la version défense, mais vraiment défense de grignotage. Et puis voilà. Sûrement dans une autre vidéo, parce que sinon ça dure trop longtemps. Donc voilà.